Alors dans cette vidéo, on va étudier une idée assez célèbre de Montesquieu. D'ailleurs, on va voir que ce n'est pas seulement une idée de Montesquieu, mais c'est l'idée de séparation des pouvoirs. Donc Montesquieu, je vous ai mis son nom en entier, parce que c'est assez drôle quand même de voir la longueur de ce nom. Donc en entier, ça donne Charles-Louis de Segondat, baron de la Brède et de Montesquieu. Vous voyez, on dit juste le Montesquieu, heureusement, parce que le nom, sinon, est assez long. Et ses dates de vie et de mort, c'est 1689-1755. Donc pour mieux comprendre la séparation des pouvoirs, on va lire tout de suite le texte dans lequel il en parle vraiment explicitement, et puis après on passera à l'analyse. Donc on descend, et on arrive au texte. Alors c'est parti. Lorsque dans la même personne, ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté. Parce qu'on peut craindre que le même monarque, ou le même Sénat, ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux ou des nobles, ou du peuple, exercer ces trois pouvoirs. Celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions politiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. Et donc ce texte, il est issu de, de l'esprit des lois. Alors pour repérer déjà les trois types de puissance euh, dont parle Montesquieu, on va les surligner et les annoter. Donc premièrement, il parle de la puissance législative. Dans la première partie du texte, dans le premier paragraphe, on va mettre... 1 pour se repérer. Ensuite, il parle de la puissance exécutrice, donc il en parle juste après, ici, on va la noter comme étant 2. Et troisièmement, il parle de la puissance de juger. Ça, c'est dans le deuxième paragraphe, ça se situe ici. Troisièmement, la puissance de juger. Donc en récapitulant, on a premièrement puissance législative puissance législative. Deuxièmement, puissance exécutrice. Exécutrice. Et enfin, puissance de juger. De juger. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça veut dire ces trois puissances Donc la première chose à noter, parce que souvent c'est quelque chose que l'on oublie, c'est que ce n'est pas Montesquieu qui a inventé cette tripartition entre les pouvoirs. En fait, il reprend ce concept de Locke. Donc Locke c'est un philosophe anglais. Et Montesquieu, il le reprend, il essaye de l'améliorer, mais néanmoins il ne l'invente pas. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, la puissance législative, de quoi il s'agit la puissance législative, en fait, c'est la puissance de créer des lois. Concrètement, nous, dans notre système actuel, dans la Ve République, ça correspond euh, au Parlement et au Sénat. Ce sont les gens qui votent les lois, qui créent les lois, et qui les font passer. Ensuite, la puissance exécutrice. Ça, c'est la puissance d'appliquer les lois. Donc, nous, en fait, ça serait le président. C'est celui qui a le pouvoir de faire appliquer les lois. À l'époque de Montesquieu, concrètement, c'est un monarque, c'est un roi. Dernièrement, la puissance de juger. Et là, ça correspond assez bien, puisque c'est simplement le pouvoir qui est attribué au juge. Et celui-ci, on va l'étudier en particulier, parce qu'il faut garder à l'esprit que Montesquieu, c'est un philosophe, mais c'est aussi un magistrat, c'est un juge. Et donc peut-être que cette puissance, la puissance de juger, il va lui donner une puissance particulière. Donc pour récapituler, la puissance législative crée les lois, vote les lois. La puissance exécutrice leur donne leur application, permet à ces lois euh, concrètement de rentrer en application. Et enfin, la puissance de juger, les juges prennent du cas par cas, et en considérant les lois qui ont été créées et appliquées, leur donne une attribution particulière au, au cas par cas. Donc il faut juste faire attention, la puissance exécutrice applique les lois en général, c'est-à-dire elles font passer les lois votées par la puissance législative dans le domaine euh, légal, elles leur donnent une existence en fait... Euh, Concrète dans l'État, alors que les juges, eux, appliquent la loi, mais dans le domaine particulier. C'est-à-dire, ils regardent les lois qui ont été votées, et ils choisissent de les appliquer à des cas particuliers. Alors pourquoi est-ce que Montesquieu vraiment s'intéresse à cette séparation des pouvoirs qui a été lancée par Locke Eh bien, il s'y intéresse parce que pour lui, le risque, il le dit dans, dans le deuxième paragraphe et surtout dans le troisième paragraphe, le risque c'est qu'il y ait un pouvoir absolu, donc un pouvoir absolu lorsque ces trois pouvoirs sont fondus dans une même personne se retrouvent dans une même personne et le type même d'un pouvoir absolu il peut se retrouver par exemple dans Louis XIV Louis XIV c'est l'exemple même du monarque de droit divin qui a tous les pouvoirs et qui peut donc faire à sa guise ce qu'il souhaite et forcément ça s'amène ça à des abus des abus de pouvoir lorsque, lorsque tous les pouvoirs sont concentrés en un seul homme le risque évidemment c'est qu'il en abuse donc comment éviter cet abus Eh bien en faisant en sorte que ces pouvoirs ne se retrouvent pas concentrés. Il faut décentraliser les pouvoirs, les diviser, les séparer. Et pour être vraiment précis, en fait, ce que souhaite Montesquieu lorsqu'il pense à cette séparation des pouvoirs, c'est un régime plus proche du régime britannique à son époque, c'est-à-dire un régime qui possède un système parlementaire. Donc un système parlementaire pour lutter contre l'absolutisme. Parlement. Et pour être encore plus précis, Lorsqu'il pense à un parlement, il pense à un parlement bicaméral, ça veut dire un parlement en deux chambres comme ce que l'on possède actuellement, c'est-à-dire il y a une chambre haute, le Sénat, et une chambre basse, la Chambre des députés. Et concrètement, ça permet de balancer encore plus cette séparation des pouvoirs. Ça permet de faire en sorte que la puissance législative ne soit pas concentrée en une seule chambre. Donc vous voyez, plus on divise les pouvoirs, moins il y a de risques d'abus et de pouvoir absolu. Alors cependant, il faut noter que au sens strict Montesquieu ne parle pas de séparation des pouvoirs entre les trois puissances. La seule séparation qui est vraiment importante, nécessaire pour Montesquieu, c'est la séparation entre la puissance législative et exécutrice avec la puissance de juger. Concrètement, ça donne une séparation qui se situe à ce niveau. Pour Montesquieu, ce n'est pas si gênant si les deux puissances législatives et exécutrices ne sont pas séparées, mais par contre, ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment capital, c'est de séparer avec la puissance de juger. Parce que sinon, ça peut donner lieu à des décisions arbitraires qui supprimeraient à ce moment-là toute liberté. Donc vraiment, la séparation des pouvoirs, ce n'est pas tellement une séparation entre les trois pouvoirs, mais plutôt une séparation entre les deux premiers et le troisième. Concrètement, il faut que les juges soient indépendants pour juger. Il ne faut pas que les juges soient influencés par le monarque, le souverain, le président ou quoi que ce soit qui, qui dirige le pays. Si les juges sont influencés, et on, on peut comprendre puisque justement Montesquieu est juge lui-même, donc il a en quelque sorte un intérêt particulier à insister sur cette séparation des pouvoirs. Si les juges sont influencés, à ce moment-là, il n'y a plus de liberté. Donc voilà, on en a terminé avec ce texte. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.